Eh bien, bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Saviez-vous qu'il faut la même énergie pour croire qu'il en faut pour douter? Il faut la même énergie pour croire qu'il faut douter. Les résultats sont toutefois à des années-lumière l'un de l'autre. Bienvenue à ce Café Céleste. Nanana, 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 nanana. Na 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 na. Autre fois. Salut mon Pierre et Manon, c'est enchanté. Na 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 na. Allez Joanne. Na 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 na. Allez France. Na 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 na. Café Céleste. Hey salut les amis, j'espère que vous allez bien ce matin. J'espère que vous avez bien dormi. Ali qui fait nananana. Oui, c'est bon. Je suis content d'être avec vous. Merci de me recevoir chez vous. J'espère d'être un encouragement pour vous, une bénédiction. Puis j'espère que ça va être une semence qui va vous encourager. J'appelle un esprit d'encouragement, de révélation dans ce lieu. Et sans plus tarder, j'aimerais vous encourager à prendre votre Bible ce matin et de déclarer avec moi, « Voici ma Bible, je suis ce qu'elle dit que je suis, j'ai ce qu'elle dit que j'ai, et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. En cet instant, je me dispose à entendre la parole de Dieu, et par sa grâce, à la mettre en pratique. » Aujourd'hui, répète ceci, aujourd'hui, je choisis de vivre, et de marcher de gloire en gloire. Au nom de Jésus, je ne serai plus jamais le ou la même. Amen. Combien votent pour ça en ce moment? Saviez-vous que chaque choix, chaque décision que nous prenons, c'est un vote pour notre élection en lui? Et je vous encourage à prendre les bons choix, les bonnes décisions. Écoutez, aujourd'hui, on termine la série sur la foi. Je vais vous faire un 2-en-1. Je vais terminer ça. À un moment donné, on embarque, mais on n'en finit plus. C'est absolument fou. Mais parler de la foi, c'est de... Il y en a des fois qui... Ben, j'entendais dernièrement quelqu'un qui me disait, t'as pas fini de parler de la foi. J'aimerais dire qu'on n'a jamais eu autant besoin de parler de la foi parce que ce que tu as besoin en ce moment, c'est de t'accrocher dans les temps que nous vivons. Est-ce que vous avez entendu cette semaine tout ce qui était à la radio? À un moment donné, j'ai fermé ça, j'en pouvais plus. J'ai dit, je peux pas me laisser décourager. Si j'écoute ce qui vient de l'extérieur, plutôt que de recevoir ce que Dieu a déposé à l'intérieur, eh bien, je vais tomber dans le découragement. J'ai décidé que mon âme nous bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Et c'est le temps pour les fils, les filles du roi des rois, amen, de pouvoir entrer dans cette dimension, de pouvoir manifester la puissance du royaume de Dieu. Le monde, ce qu'il a de besoin, c'est de voir l'Église entrer dans son appel comme jamais auparavant. Et c'est ce que je déclare sur ta vie, que tu vas enfin, avoir la percée de ta vie. Combien votent pour ça? La percée de votre vie. De pouvoir enfin entrer dans ce que vous savez que vous savez que vous devriez être. On sait qu'on est plus, on sait qu'on est né pour plus que ce que l'on vit en ce moment. Et je veux vraiment appeler ça sur ta vie ce matin. J'espère que tu vas ressortir de ce court temps qu'on va passer ensemble. Cette petite virgule céleste, cette petite gorgée de café céleste qui va t'encourager au point que tu vas être encourageant, encourageant. Bon matin Gaston, mon ami Gaston de Sherbrooke que j'aime tellement. Amen. Alors, on a vu jusqu'ici, et je veux faire juste un petit round-up là, pour pouvoir terminer ça en grand. C'est, on a vu premièrement que la foi, ok, va te permettre de croire avec ton esprit ce que tu ne peux pas croire avec ta logique, avec ta tête. Deuxièmement, la foi va exiger de toi que tu suives une instruction
parfois, en fait souvent, en fait presque tout le temps, sans explication. La foi va exiger de toi de suivre une instruction sans explication. Vous savez ce que je veux dire, j'en suis convaincu. Troisième chose, quand tu ne peux plus croire au sein du problème, crois au règleur de problème. Pensez à Daniel dans la fosse aux lions. J'aimerais vous dire qu'il ne pouvait pas croire au sein du problème, mais il a cru au règleur de problème. Je t'encourage à faire de même. La foi, quatrièmement, n'est pas un substitut pour la désobéissance. Cinquièmement, la foi ne peut pas lancer ses missiles à moins qu'elle ne voie le but, l'objectif. Et j'appelle que le Seigneur ouvre ton cœur, les yeux de ton cœur, à saisir la vision céleste pour ta vie. Et enfin, aujourd'hui, je vais rentrer dans les points 6 et 7 et on va terminer, on fait ça rapidement. Il faut la même énergie pour croire qu'il en faut pour douter. Les résultats sont toutefois à des années-lumière l'un de l'autre. Et vraiment, quand je dis lumière, c'est vraiment la différence. Vraiment, vraiment. Et la foi, voyez-vous, donne naissance à des résultats. La foi donne toujours naissance à des résultats, tandis que le doute, lui, donne naissance à des conséquences. Deux choses complètement différentes, voyez-vous. Et dans la parole de la Genèse à l'Apocalypse, vous voyez que c'est rempli d'exemples de cela. La foi qui donne naissance à des résultats, tandis que le doute, lui, donne naissance à des conséquences. La foi donne naissance à des résultats et en fait, la foi te fait voir le résultat. C'est ça la dimension de la foi. C'est que dans la circonstance que tu es, la foi te fait voir l'autre bord du mur, l'autre bord de la situation, te fait voir plus loin que ce que l'œil voit, te fait entendre autre chose que ce que le bruit de ce monde veut te faire entendre, tu vois. La foi va non seulement te faire voir le résultat, mais la foi va te donner d'aller puiser dans l'invisible les stratégies pratiques pour la terre, pour qu'est-ce que tu as à vivre dans cette dimension de cette terre. Tu vois, Dieu va te donner, alors que tu actives ta foi, que tu décides de croire plus en lui, en sa parole, en ce qu'il a déposé en dedans de toi, tu vas choisir de croire les stratégies pratiques qu'il a pour toi dans ta situation. Mais ça veut dire que tu vas regarder la chose avec les perspectives du ciel. Savais-tu que dans ce que tu vis en ce moment, quelle que soit la chose, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau personnel, tes émotifs, peut-être dans ton esprit, dans ton âme, peut-être dans ta chair, dans ton corps, peut-être dans ta santé ou la maladie, eh bien, le Seigneur a une stratégie céleste. Prenez une petite gorgée là-dessus, les amis. Il a une stratégie céleste. Amen. Et la foi va te faire voir le résultat. C'est ce qui a amené Job, au bout d'un temps, à dire « Mon oreille a entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. » Voyez-vous, la lumière. L'œil, il peut voir seulement s'il a le lumen, s'il a la lumière. La lumière, je l'ai déjà expliqué, voyage à 300 000 km à la seconde. Quand tu entends, ça va à 958 km environ, km à l'heure. Voyez-vous la différence? Et c'est ça quand on dit que si tu as la foi et le doute, tu vois, eh bien, c'est à des années-lumière l'un de l'autre. Oui, Ali, mon œil te voit. Et j'aimerais, le Seigneur a dit une parole à ce niveau-là. Il dit, heureux, heureuse, ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et c'est pas juste de le voir un jour. Oui, tu vas le voir, puis combien hâte de le voir. Un matin, je pensais justement encore à ça. Je disais, ah, Seigneur, c'est quand? Quand est-ce qu'on va te voir? J'ai tellement hâte. Mais en même temps,
Voyez-vous, dans cette situation-là, il dit, c'est pas juste de le voir un jour, c'est qu'aujourd'hui, le Seigneur veut t'amener à le voir agir dans ta vie, dans la circonstance de ta vie. J'aimerais te dire que Dieu est plus grand que la plus grande difficulté que tu vis en ce moment. C'est le temps de déclarer dans ta foi, de dire, Dieu, je ne comprends pas ce qui se passe, mais je te fais confiance. Je te fais confiance. C'est ça la foi. La foi, c'est de croire ce que le ciel dit. C'est de croire simplement ce que Dieu déclare sur ta vie. Et Dieu a des projets de bénédiction, de paix, au travers toutes ces flambées de tous ces trucs d'inflation et tout ce qui se passe dans ce monde. Savez-vous quoi? Le Seigneur va pourvoir pour ses fils et ses filles. Il va nous donner de pouvoir faire la différence. La clé dans ça, c'est d'avoir la foi d'Abraham. La foi, amen, dans celui qui a tout déposé, qui a tout mis à ses pieds, qui a décidé, qui a fait le choix. Qui a fait le choix de dire malgré tout. Comme mon ami Michel alors dit, croûte que croûte. Je vais te suivre. Je vais continuer. La foi donne naissance à des résultats et le doute donne naissance à des conséquences. Et combien d'entre nous, on a vécu des conséquences? Je peux vous dire par expérience, je sais, j'ai écrit même un chant qui dit « Ce qu'on n'apprend pas de l'intelligence, on l'apprend donc par la souffrance. » Et j'ai souvent souffert à cause de mauvaises décisions, à cause de décisions que je croyais même par présomption que c'était de la foi et pourtant je m'étais trompé. Combien savent ce que je veux dire? T'es-tu déjà trompé? Bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. C'est que le Seigneur aujourd'hui, il est capable de te relever. Si tu fais juste à partir d'aujourd'hui, décider que cette journée est une journée historique où tu dis à partir d'aujourd'hui, je mets ma foi en sa parole, je m'enracine. Et si tu es tombé à quelque part, quel que soit l'endroit dans ta vie où tu es tombé, retourne. Ça dit, vois d'où tu es tombé, relève-toi. Le juste tombe 7 fois et se relève à chaque fois. Je t'encourage tout simplement à oser être assez franc avec toi-même. Arrête de t'en faire croire. Fais juste dire, j'ai manqué mon coup. That's it, j'ai manqué le but. Voyez-vous, on peut tous flancher à quelque part, mais aujourd'hui est le jour du nouveau départ. Aujourd'hui est le jour pour repartir à zéro peut-être. Et c'est correct, tu vois. L'important, c'est pas d'être tombé. L'important, c'est de te relever en ce moment. Et j'appelle que Dieu te donne la force, le courage, la hardiesse. Oh, l'esprit de hardiesse. De pouvoir dire, j'ai manqué, mais je me relève. Et à partir d'aujourd'hui, je confesse ma faute. Je confesse que j'ai manqué. Je me relève. Dis-le à ta femme ou à ton époux. Dis-le à ton conjoint, ta conjointe, dis-le à tes enfants, j'ai manqué, mais je me relève aujourd'hui. Puis à partir d'aujourd'hui, je vous demande de prier pour moi parce que je veux faire un nouveau départ. Je repars à zéro. Come on! Êtes-vous capable de faire ça? Es-tu game de faire ça? Amen. Amen. La force pour ce matin. Alors, je vais terminer avec ceci. Le compas de ta vie. OK? Crois au compas de ton cœur, OK? Dans ta situation en ce moment. Peut-être tu dis, oui, mais Luc, je comprends pas, j'ai tout essayé. OK, tu as tout essayé. Vraiment, si tu as tout essayé en ce moment, c'est que le Seigneur veut t'amener à saisir quelque chose qui n'est pas juste pour toi. Dans 2 Corinthiens 1, je crois, verset 3, ça dit que nous sommes consolés pour consoler les autres. Et peut-être que dans ta situation, ou peut-être tu as fait une erreur, ou peut-être pas, OK? C'est pas important. La chose, c'est qu'est-ce que tu vas saisir de ce que tu vis en ce moment? Parce que ce que tu vis en ce moment, Dieu a un plan pour t'utiliser au travers. Je peux vous dire que dans les situations que nous avons vécues, Nathalie et moi, dans les 30 années de ministère, eh bien, j'aimerais vous dire
qu'on a eu des difficultés tellement, tellement, tellement. Mais le Seigneur nous a toujours restaurés. Pourquoi? Des fois, on manquait notre coup. On faisait descendre les enfants et on disait, écoutez, on doit vous demander pardon. On a manqué notre shot. Puis on priait en famille. Puis ça a fait que nos enfants servent le Seigneur aujourd'hui. Ce n'est pas à cause de nous, hein, je peux vous dire, c'est vraiment le Seigneur. Le Seigneur a été fidèle. Puis j'appelle la bénédiction sur vos enfants. Mais à un moment donné, il a fallu qu'on dise, on a manqué notre coup. Voulez-vous prier pour nous? Puis il priait avec les petites mains, là. Il priait pour nous, puis il nous restaurait, puis on se demandait pardon, puis on se relevait. Puis j'aimerais t'encourager aujourd'hui. Crois au compas de ton cœur. Il va te garder au travers des tempêtes, de l'inexactitude que ta tête croit quelquefois. Je répète ceci, elle est trop bonne. Crois au compas de ton cœur. Il va te garder au travers des tempêtes, de l'inexactitude que ta tête croit parfois. Tu vois, j'aimerais te dire, il y a des choses que c'est seulement, tu vas pouvoir régler seulement par ta foi. C'est seulement par ta foi que tu vas activer, que tu vas pouvoir régler cette chose. C'est pour ça que le Seigneur nous encourage. Oui, Ésaïe 54, tellement bon. C'est le verset, c'est tellement bon. Vous irez voir ça, Gaston nous pitch. Ésaïe 54, vous irez voir. Amen. Puis toi qui te sens battu par la tempête, j'aimerais te dire que le Seigneur te relève. Amen. Mais il y a des choses que seulement, c'est seulement par ta foi et non pas par en écoutant ce qui se passe et avec les moyens de ce monde, c'est seulement parce que ce que tu vas recevoir d'en haut, tu as besoin d'entendre Dieu. Je te le répète, tu as besoin d'entendre Dieu en ce moment dans ta vie. Et quelle que soit la situation que tu vis, Dieu va venir te parler. Dieu a une parole pour toi. Moi, je peux t'amener une virgule, mais lui, il a tout le livre. Il a tout à te dire. Le Seigneur a une parole pour toi. Et il va falloir que tu arrêtes d'écouter ce que ce monde a à te dire et que tu t'arrêtes et que tu saches qu'il est Dieu sur ta vie, que tu sais, parce que la foi sait. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du oint, la parole de Christ, une parole d'onction. Une parole dite à propos est un arbre de vie. Et j'appelle que le Seigneur fasse germer en ton cœur, à nouveau, la foi renouvelée. À un moment donné, David était découragé. Sa famille avait été décimée, il était parti. Quand ils sont venus, le village où il était, tout a été, les femmes, les enfants avaient été kidnappés, la ville avait été mise en feu et il était découragé. Ça dit que David avait perdu espoir, mais ça dit qu'il a retrouvé courage en mettant sa confiance en l'Éternel. Et j'appelle en ce moment, si tu es découragé dans quelque aspect de ta vie, que tu puisses reprendre courage, que tu puisses aller puiser en Dieu des forces nouvelles. J'appelle en ce moment le ciel ouvert sur ta vie, que le Seigneur vienne faire regermer dans ton cœur cette foi pour aller chercher la promesse que Dieu a déposée dans ton cœur. Dieu t'a-t-il déjà donné une promesse? Moi, j'ai des promesses qu'il m'a données. Et j'aimerais vous dire que ça m'alimente à continuer, ça m'alimente à persévérer. Et j'aimerais vous dire qu'on a besoin de persévérance dans les temps que nous sommes en ce moment. La foi agit à la façon du ciel. Et j'appelle que le Seigneur, alors qu'il va te dire quoi faire, c'est intéressant, vous savez, on vit en ce moment dans des dimensions qui sont très intéressantes où c'est la foi qui va être démontrée ou le doute. Vous savez, Abraham, lorsqu'il a... C'est intéressant. En ce moment, on parle beaucoup de... Tu sais, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer mondialement au niveau financier. Est-ce que je peux vous encourager à être fidèle dans vos dîmes et vos offrandes dans vos assemblées?
d'être fidèle dans vos semences, de continuer d'être fidèle. C'est ça qui va faire que vous allez tenir au travers ce qui se passe en ce moment. Le monde va voir la différence des fils. Pourquoi? Parce que ceux qui vont semer vont récolter et nous nous plaçons sous l'économie du royaume de Dieu. J'aimerais vous dire que ce que je vous dis, c'était pas dans mes notes en passant, mais je vous amène cela pour vous encourager à pas écouter ce que le monde, ce que la radio, ce que la télé, ce que le monde dit, de vous encourager à ce que Dieu dit. Et il a dit qu'il pourvoirait à tous les besoins que tu as. Peut-être qu'il y a des choses en ce moment qui vont peut-être s'effondrer, mais je veux dire de quelque chose, le Seigneur va nous donner de tenir bon, parce que le Seigneur va démontrer sa fidélité. Dieu a plus d'un taux dans son sac. Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Et le Seigneur qui a fait ses promesses sur ta vie n'est pas un menteur, n'est pas un homme pour mentir. Ce que Dieu a déclaré, il va l'accomplir. Là où le doute voit l'impossibilité, et plus qu'on écoute ce que ce monde a à dire, plus nous voyons les choses devenir de plus en plus difficiles. Mais plus tu regardes à Dieu, plus tu vois que non seulement la chose peut s'accomplir, mais tu peux devenir un élément de solution pour les gens qui t'entourent. Tu es né pour plus que ce que tu vois en ce moment de ta vie. Tu es né, tu es plus que ce que tu penses. Et j'appelle sur toi en ce moment que le Seigneur réajuste le compas de ton cœur, que tu vas croire au compas de ton cœur. La foi se passe au niveau de ce qu'il y a en dedans de toi. Et j'appelle que le Seigneur va te donner les forces d'aller puiser exactement ce que Dieu veut t'accorder, non seulement de recevoir, mais de pouvoir donner du ciel autour de toi, d'amener le petit café céleste au dehors, de faire la différence. Crois au compas de ton cœur. Il va te garder au travers des tempêtes, de l'inexactitude que ta tête veut croire. Amen. J'aimerais vous dire là-dessus, moi j'ai connu un homme qui s'appelle Barry Mason. Il était avant ça un Hells Angels. C'était le président des Hells Angels de la Caroline du Sud. C'est lui qui a aidé le groupe Kiss à démarrer à Détroit. Et en passant, et juste pour vous dire que j'ai connu cet homme-là par l'entremise des God's Disciples. J'étais allé prêcher aux États-Unis avec lui. Et il me contait son histoire. Ils ont fait un film avec lui à Hollywood, d'ailleurs, un petit film, là. Mais juste pour vous dire que le film qu'ils ont fait avec lui et toute sa foi, vous savez, quand il a été élevé, son père est décédé quand il était jeune. Ça l'a amené à être déçu. Il s'est lancé dans les gangs de motards. Il est devenu un Hells Angels. Il est devenu le président des Hells en Caroline du Sud. Et ce qu'il a fait qu'il est revenu au Seigneur, c'est absolument fou. Parce que sa petite maman, elle rentrait dans le bunker des Hells Angels et elle amenait de la nourriture aux prostituées que les Hells avaient mis sous leur contrôle. Et elle rentrait là-dedans, elle rentrait dans le bunker des Hells. Puis elle disait « Praise the Lord! » Puis Barry Mason, qui était le président des Hells, il disait « Mom, you can't talk like this! I'm a Hells Angel! » Puis là, elle disait « Non, Barry, t'es un homme de Dieu! Tu vas servir l'Éternel! » Puis elle disait ça devant les Hells. Pensez à ça, cette maman-là, qu'elle a la foi, puis il ne pouvait pas l'empêcher de rentrer, c'était sa mère. Puis les Hells l'aimaient. Puis à un moment donné, c'est complètement fou, il était dans un chemin, puis il était entouré par une gang autour qui voulait se débarrasser de lui. Et là, dans le restaurant, il s'est mis à genoux, il est allé au téléphone, il a appelé sa mère. Puis il a dit « Maman, je veux te dire que je t'aime, mais là je vais mourir, on est entouré, il y a des gars, puis il était pour le tuer, mais il a juste dit « Laissez-moi appeler ma mère avant ».
Et lorsqu'elle a entendu ça, elle s'est mise à parler en langue, puis elle a dit, « Barry, tu te mets à genoux et tu acceptes Jésus, tu te reviens à Christ maintenant. » Et là, Barry, en pleurant, s'est mis à genoux. Il a demandé pardon au Seigneur. Il a demandé pardon à sa mère d'avoir manqué de respect. Et il pleurait. Et les deux bouncers de Barry étaient à genoux avec lui. Et quand ils ont ouvert les yeux, les adversaires, les ennemis qui voulaient les tuer étaient partis. Et là, il a redonné sa vie. Et de Hells Angels qu'il était, il a démarré un club de motards chrétiens qui s'appelait les Heaven Saints. Les saints du ciel. et il a monté un gros mouvement. Ça s'est rendu jusqu'au groupe de aux motocyclistes de Kenneth Copeland et tout cela. Juste pour vous dire comment que Dieu est grand. Et ça, ça a commencé avec la foi d'une petite maman qui rentrait dans le bunker des Hells Angels. Alors, je veux juste vous dire, qu'est-ce que tu attends, toi, pour activer ta foi, pour faire la différence? Je me souviens, à un moment donné, j'étais très découragé. J'ai presque fini. J'allais à l'école biblique et dans ce temps-là, vous savez, j'ai payé mes études bibliques avec un chant qui s'appelait « Tu es digne d'adoration ». Il va être d'ailleurs sur le chant, sur « Si c'était vrai » que j'étais en train de faire, en train de refaire tout ça. Et à ce moment-là, la façon que ça fonctionnait, j'étais à l'école biblique et la semaine et la fin de semaine, j'allais prêcher, chanter dans les coffee house et j'allais prêcher les dimanches et je revenais. Puis ça, c'était pour payer mes études bibliques. Et à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que j'étais affublé. J'avais beaucoup d'invitations pour pouvoir et je faisais tout ce que je pouvais pour pouvoir être sacoche, pour pas être endetté. Et alors, à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que j'étais affublé de travaux à terminer et j'avais des bookings et je devais prêcher les fins de semaine et aller à l'école la semaine. J'étais affublé. Et là, il y avait à l'école biblique mon ami Daniel Frappier, que je ne sais pas s'il m'écoute de temps en temps, mais c'était notre cook, on l'appelait Garfield. Et c'était notre cook préféré. Il était un bon cook puis un bon ami. Puis, à un moment donné, il a vu que je passais un temps difficile. Puis, il m'a dit, « Luc, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? » Puis là, j'ai dit, « Écoute, j'ai mes travaux. J'ai dit, il faut que tout je fasse ça à la dactylo. J'ai pas le temps. » Puis, il m'a dit, « Écoute, il dit, va prêcher en fin de semaine. Laisse-moi le dactylo. Amène-moi tes travaux. » Puis, quand je suis revenu, il avait tout fait mes travaux pour moi. Et ça, c'est la foi aussi. La foi va attirer les gens de foi, va attirer les bonnes personnes avec toi pour t'équiper, pour t'amener là où tu es supposé d'aller. Et je veux remercier le Seigneur pour Daniel Garfield Frappier, mon cook préféré dans le temps de l'école biblique. Puis le Seigneur va t'entourer des bonnes personnes. La foi va amener l'atmosphère des bonnes personnes autour de toi. Et va clairer aussi ceux qui n'ont pas d'affaires dans ta vie. Arrête, s'il y a des gens qui t'ont délaissé à cause de la foi, cesse de pleurer sur leur vie, cesse de pleurer sur ta vie à cause de cela. Considère que Dieu va amener quelqu'un, quelqu'une, des gens de foi pour venir activer la tienne, t'aider à accomplir ce que tu es appelé à accomplir. Alors, je veux terminer avec ceci aujourd'hui. J'aimerais vous dire, tous les héros de la foi, je l'ai dit, mais je veux terminer avec ceci, cette série. Tous les héros de la foi dans la Bible, hommes ou femmes que vous voyez, à partir de Abel jusqu'à aujourd'hui et jusqu'au dernier jour, tous les hommes, les femmes de la foi ont tous une même chose en commun. Ils ont su entendre Dieu. Ils ont su entendre Dieu leur parler, leur communiquer. Ils ont su entretenir un cœur à cœur avec Dieu, une communion, de reconnaître la petite voix, le doux murmure de Dieu au travers du bruit de ce monde. Ils ont su découvrir comment Dieu les utiliserait. Moïse avec un bâton, David avec une fronde. Voyez-vous, chacun avait une façon différente et Dieu a une façon bien à lui pour se servir de toi.
et accepter. Et la dernière chose que tous les hommes et les femmes de Dieu ont eu en commun, c'était d'accepter leur rôle. Élisée, jusqu'à temps qu'il reçoive la double onction, et on va rentrer dans ça dans les temps qui s'en viennent, jusqu'à temps qu'il rentre dans la double onction, eh bien, il était le serviteur d'Élie. Il amenait l'eau à Élie. Il aidait Élie. Il était à son service. S'il y avait eu des autos dans ce temps-là, il aurait été le chauffeur d'Élie. Voyez-vous? Et c'est ce que Dieu veut nous amène à faire, d'accepter notre rôle. Peut-être qu'on veut tous être des grands prédicateurs, de pouvoir faire des grandes choses, mais le Seigneur dit, que fais-tu avec ce que j'ai mis en tes mains en ce moment? Que fais-tu avec les 5 pains et les 2 poissons que je te donne d'utiliser, de pouvoir parler sur ce que je te donne entre tes mains? Alors sérieusement, c'était mon but dans cette série sur la foi. J'espère que ça vous a encouragé. Et je veux vous dire, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Entends-tu la parole d'onction? Dieu a une parole pour toi. Et c'est écrit dans le Proverbe 1:5 qu'on avait parlé avant, que le sage écoute et il augmentera son savoir. Celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Et j'espère que cette semaine, qu'aujourd'hui, vous allez enligner vos cœurs pour acquérir de l'habileté dans la foi, que vous devenez tellement habile que votre foi va matérialiser, va se matérialiser. Vous allez voir de vos yeux ce que vous avez toujours voulu voir de vos yeux. Alors ma question, c'est qu'est-ce que tu entends du Seigneur? Qu'est-ce que tu as entendu du Seigneur? Alors va et prends cette parole and go! Va avec! Amen! Alors j'aimerais te dire qu'il y a quelqu'un, quelqu'une qui a besoin de toi cette semaine. Tu es la solution pour la vie de quelqu'un. Alors je t'encourage à être encourageant. Je t'encourage à aller avec ta foi, qu'il soit fait selon ta foi dans le nom de Jésus. J'espère que ça vous a encouragé. J'espère que vous avez été bénis par cette courte série. Cette parole vous a encouragé ce matin, aujourd'hui. Que vous diriez de la partager à quelqu'un? De la partager peut-être sur votre Facebook? De l'amener à des gens précis? Allez voir des gens précis que le Seigneur vous dirige dans vos amis. De leur envoyer ce lien-là pour qu'ils puissent être encouragés. Je vous bénis les amis. Si vous avez aimé partager, je remercie tous ceux et celles qui soutenez ce ministère. Chacun de vos semences nous encourage vraiment à continuer. Je vous aime. On se revoit la semaine prochaine pour un autre Café Céleste. Nananana. 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 Ensemble. Nananana. 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 Café Céleste. Salut les amis, je vous aime.